J'y suis venu un peu par hasard. J'ai rencontré un jour quelqu'un dans un refuge de montagne. On a passé la soirée à discuter et il m'a parlé d'aïkido. Alors, il se trouve que moi, j'avais fait du judo quand j'étais gamin. J'ai arrêté parce que j'ai commencé dans des conditions pas très très bonnes, puisque c'était il y a presque 50 ans. Et le judo gamin, c'était en Espagne et c'était du judo adulte avec des enfants. Donc arrivé à 12 ans, j'avais des problèmes d'épaule, j'avais des problèmes de hanche qui étaient décalés, j'avais un pied plus court que l'autre, enfin bref, donc j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, je me blessais, j'ai repris, ça a duré jusqu'à ce que j'ai 15-16 ans, et puis j'ai arrêté complètement, et j'avais envie de reprendre un art martial, je savais pas trop quoi, j'étais pas un compétiteur, c'était pas ma tasse de thé, hein. J'en avais fait un peu, parce que quand on fait du judo, on passe par la case compétition. Et puis ce type que je n'ai jamais revu, dont je ne me souviens pas du nom, enfin voilà, c'est une rencontre d'une fois, m'a parlé d'aïkido avec tellement de passion que je me suis décidé à aller voir. Donc je suis allé dans un club qui était à Fontenay-aux-Roses. À l'époque, c'était Louis Clériot, qui est un des très anciens, qui est décédé maintenant, un de ceux qui ont créé la fédération, qui enseignait. J'ai regardé, j'y suis allé avec un copain. On s'est tous les deux dit la même chose, soit c'est du flan, soit il y a quelque chose. Le copain s'est pas inscrit, moi j'y suis allé. Ça m'a beaucoup plu, mais j'avais une vie un peu occupée à l'époque et j'avais pas le temps de m'entraîner beaucoup, etc. J'en ai fait 2 mois et demi, 3 mois, j'ai dit j'arrête. J'arrête pour en faire comme ça une fois par semaine pour pas être régulier, ça m'intéresse pas. J'y reviendrai et j'y suis retourné 5 ans plus tard. C'était quand ? C'était en 87. 87. Et puis là, c'était Christian Mouza qui enseignait. Donc lui, il faisait les cours d'aïkido. Et Philippe Bersani donnait des cours de kenjutsu une fois par semaine. De quelle école, kenjutsu ? C'était le kenjutsu, c'est un élève de Christian Tissier. Donc c'est l'origine, c'est Kashima. Voilà. Et du coup, c'était 3 fois de l'aïkido et 1 fois du kenjutsu toutes les semaines. Voilà, et ça a commencé comme ça, et puis j'ai mis le doigt dedans. J'ai fait le stage de Pâques de Christian Tissier quand j'avais 3 mois d'aïkido. J'ai adoré, je ne comprenais rien, mais j'ai adoré. Et à partir de là, j'ai commencé à faire un stage mensuel, j'ai fait un stage d'été. L'année suivante, j'ai fait un stage mensuel, puis deux, puis le stage de Pâques, puis 2 stages l'été, etc. Enfin voilà, et puis après ça a déroulé. Je ne l'ai pas vraiment décidé, ça s'est décidé un peu. Grosso modo, j'ai commencé l'aïkido relativement tard, j'avais 22-23 ans, je me suis marié jeune, j'ai eu des enfants jeunes, et donc il fallait que je gère la vie professionnelle, la vie de famille et l'aïkido. Je ne pouvais pas faire tout à fond, donc j'ai décidé que j'allais faire des choix professionnels qui me permettent et de voir mes enfants et de faire de l'aïkido. Mais pas du tout en pensant me consacrer à l'aïkido professionnellement. Donc ça a duré, j'ai fait de l'enseignement, j'ai fait de la formation pour adultes pendant des années. Et puis à un moment, j'ai commencé à enseigner. Donc ici, j'ai ouvert le club en 99. En 2005, on m'a sollicité pour être DTR pour la Basse Normandie. Et à ce moment-là, j'avais déjà beaucoup de cours. Je commençais à avoir beaucoup de week-ends de prix. Pas beaucoup plus que quand c'était pas mon métier, mais ça commençait à faire beaucoup et je me suis dit, bon, ok, on fait la bascule. Mais ça s'est un peu décidé malgré moi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, je vais faire de l'aïkido pour devenir professionnel. En fait, j'avais un boulot, j'avais une famille, j'adorais faire de l'aïkido, ça me prenait beaucoup de temps.
Et en fait, c'est les responsabilités petit à petit qui ont fait que tout ne devenait pas compatible et que j'ai dit « Ok, j'arrête la formation pour adultes pour me consacrer exclusivement à l'aïkido ». C'est vrai. Si ce n'est qu'on apprend à gérer, on chute quand même moins, ou moins violemment, on se voit moins imposer le rythme. Ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs de premier, deuxième, troisième dan, où effectivement, on se fait balader, on fait un peu la marionnette d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre, on ne chute pas toujours bien. Moi, j'ai démarré très tôt les stages, j'y allais. Puis après, je rentrais chez moi, je me couchais par terre et je restais une demi-heure sur le dos pour essayer de tout remettre d'aplomb. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, ça veut dire que je chute toujours, mais les rythmes me sont beaucoup moins imposés. Et les chutes et les rythmes. Alors avec Christian, effectivement, c'est différent, mais c'est pas en continu. Donc ça va. Et on n'a pas besoin, alors par rapport à un footballeur, il faut qu'il soit au sommet, au pic de la forme pendant 10 ans, et puis après plus rien. Nous, on n'est peut-être pas au pic de la forme, on est à un niveau intermédiaire, mais on dure beaucoup plus longtemps. Donc je pense que ça, enfin moi en tout cas, je le vis plutôt comme ça. Peut-être la première chose qui a changé, ça a été d'accepter que les élèves sont ce qu'ils sont et pas toujours ce qu'on voudrait qu'ils soient. C'est un élément important, c'est-à-dire que pour nous, on est un certain nombre à avoir beaucoup investi dans l'aïkido, indépendamment de l'aspect professionnel, hein, mais parce que c'était une passion et que voilà, moi, c'était un des piliers de ma vie. Et accepter que les autres peuvent venir tranquillement, deux fois par semaine, faire une ou deux heures d'aïkido à chaque fois, un peu pépère pour voir les copains, c'est un pas à franchir, d'accepter que l'aïkido, c'est aussi pour eux. Et l'une des questions, c'est comment on arrive à les faire avancer dans l'aïkido à ce rythme-là, et à nourrir leur progression, et à faire en sorte qu'eux aussi s'y retrouvent. Et la plupart des gens, ici on est dans une ville plutôt aisée, les gens investissent plus, les jeunes investissent plus sur les études que sur le sport, et les adultes investissent plus sur leur carrière ou sur leur travail ou sur leur vie professionnelle que sur les loisirs, on va dire. Et du coup, il faut accepter que les choses ne sont pas... comme on les a vus, nous, pour nous, à un certain moment. Non, je n'ai pas d'opinion tranchée là-dessus. Parfois, je dis, il y a les grades, il y a les niveaux. dans une vision idéale, les deux choses devraient correspondre. Dans les faits, on se rend compte, lors des passages de grade notamment, que c'est deux choses différentes. En même temps, lorsque là c'est la saison du bac, il y a des gens qui vont avoir 9,96 et qui vont être rattrapés par les cheveux. Il y a des gens qui vont avoir 21/20 avec les options. Ils n'ont pas du tout le même niveau et pourtant ils ont le même diplôme. Finalement, on n'est pas très éloigné de ça. Je pense que les grands critères, ils sont pas très éloignés des grands principes de l'aïkido. On essaye de juger sur des comportements observables et pas seulement sur une sensation, de façon à pouvoir discuter entre nous. Et c'est pas seulement un problème de fédération, c'est aussi un problème de personne. Donc être capable d'avoir des éléments sur lesquels on s'appuie pour étayer un raisonnement. Donc ça, c'est essentiel. Donc à partir de là, ce n'est pas très éloigné de mes critères à moi. On pourrait varier sur des critères de sévérité. Mais finalement, la question ne se pose pas. On connaît le niveau auquel on veut voir les gens. La question est souvent que pour les très bons, il n'y a pas de discussion. Pour ceux qui ne sont pas du tout au niveau, il n'y a pas de discussion. La majorité des gens se situent dans une moyenne.
Et là, interviennent des critères plus subjectifs qui sont qu'est-ce qu'on va faire peser dans la balance plus qu'autre chose, qui peuvent être des critères d'âge, des critères de forme, l'importance qu'on va donner à l'étiquette ou pas à l'étiquette, au travail aux armes, aux éléments un peu périphériques, hein, qui ne sont pas forcément le noyau. Sur le noyau, c'est moyen. Et donc, les éléments plus en marge vont jouer et là, vont parfois jouer de façon différente et dans les grandes sensibilités entre fédérations, mais entre individus, en fonction de son histoire et de son... Voilà, donc il y a beaucoup d'humains qui jouent quand même, plus qu'un examen technique. Il y a une part d'humain. À un moment, je disais, les examens de grade, c'est les figures imposées au patinage artistique. finalement, on a un certain nombre de critères et il y a la part de subjectivité de chacun qui va intervenir. Voilà. On ne va pas forcément valoriser exactement les mêmes choses de la même façon. On ne va pas voir les mêmes choses et on ne va pas donner du poids aux mêmes choses. L'idée étant qu'en discutant, et ça c'est tout le travail qui est fait entre les techniciens des deux fédérations, l'idée c'est d'arriver à trouver sur quel point commun on peut s'accorder pour décider de l'obtention ou non d'un grade. Mais c'est un travail continu, c'est pas quelque chose qui est fait une fois pour toutes. Parce que l'aïkido aussi évolue, c'est-à-dire que les passages de grade aujourd'hui, ce n'est pas les passages de grade il y a 20 ans. L'aïkido aujourd'hui n'est pas l'aïkido il y a 20 ans, etc. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment un travail d'élaboration permanente et de réajustement des critères de façon permanente. D'abord parce que c'est comme ça que j'ai conçu l'aïkido, c'est-à-dire que très tôt j'ai suivi Christian. J'ai commencé en novembre 87 et j'ai fait le stage de Pâques 88. Et donc à partir de là, j'ai fait beaucoup de stages avec lui. Au bout de 3 ans, quand j'ai eu mon premier dan, entre le premier et le deuxième dan, mes professeurs m'ont dit si tu veux continuer à progresser, faut que tu ailles travailler au cercle. Pas seulement en stage, mais dans les cours. Donc, en général, j'allais le midi. Au début, c'était lundi, mardi, mercredi. Le midi au cercle et le soir, je continuais à venir dans mon ancien club. Donc, sans doute, dans ma génération, l'aïkido a été quelque chose d'évolutif. Peut-être que les générations antérieures, à un moment donné, ont découvert une autre façon de faire de l'aïkido et ont eu à charge de diffuser la bonne parole et sans doute de dire aux gens ça se fait comme ça et pas autrement. Nous, on n'a pas vécu ça. On n'était pas en responsabilité. Voilà. Moi, je suis de la même génération en termes de grade et d'évolution que Pascal Guimain et Bruno González, Marc Bacrati. Enfin, voilà. Moi, j'ai passé le premier dan en même temps que Pascal. On a eu le sixième dan ensemble voilà, et que Bruno. Voilà. Donc, on est de la même génération. On n'était pas en responsabilité, on n'était pas chargé de transmettre. Par contre, on était au contact de Christian au quotidien, j'allais dire, ou au moins toutes les semaines, puisque quand il a déménagé, il était là 2 jours par semaine, mais on le voyait toutes les semaines. Et donc, on a vu cette évolution. Donc pour nous, l'aïkido a toujours été quelque chose d'évolutif, c'est-à-dire qu'on explore des formes, on les approfondit, on va loin. Parfois, on se rendait compte qu'il faisait travailler quelque chose quand c'était acquis, il disait « ok, ça c'est bon, on laisse de côté, c'est acquis, on va passer à autre chose, on va s'orienter sur une autre piste de recherche ou un autre axe de travail ». Et ça, pour nous, c'est devenu quelque chose de naturel. Du coup, il n'y a pas d'effort particulier pour me mettre à jour. J'ai eu un petit arrêt de quelques mois de pratique pour des raisons personnelles. Je n'ai pas pu pratiquer au quotidien ou de façon hebdomadaire à Vincennes avec Christian. Et en 4, 5, 6 mois, moi, j'ai vu la différence. C'est-à-dire que je pense que pratiquement tous les ans, il y a des nouvelles pistes qui sont explorées. Parfois un retour sur des choses qu'on a travaillées des années avant, avec sans doute une nouvelle façon de regarder les choses. Quelque chose qui a mûri, quelque chose qui a changé. Donc quand on revient sur des choses plus anciennes, c'est toujours revisité au sens où
ça a évolué. Ça, c'est quelque chose qui est vivant et qui est une matière vivante en permanence. Donc ça ne demande pas d'effort. C'est pas toujours confortable. Parce que c'est vrai que le confort, c'est d'établir une vérité et de ne pas en bouger. Mais c'est ça qui, moi, me passionne. Alors, il y a quelques temps, j'étais en stage en Italie et on me disait, quand Christian Tissier ne sera pas là, qui va le représenter, etc. Et je dis, tout le monde et personne. Moi, je ne fais pas de l'aïkido de Christian Tissier. Moi, je fais l'aïkido de Marseille. Il se trouve que je travaille avec Christian depuis très longtemps et donc ma formation est très marquée par ce qu'il nous fait travailler, par les formes qu'il nous a fait travailler, mais ça n'est jamais que ce que moi j'ai intégré. Avec ce que je suis, avec ce que je ressens, avec mon physique, avec mes qualités, avec mes défauts. Donc ça ne sera jamais l'aïkido de Christian Tissier. Ça ne peut pas. Et je ne cherche pas à faire l'aïkido de Christian Tissier. Je cherche à faire de l'aïkido. Donc à ce niveau-là, je me laisse une totale liberté. Quand je suis en cours et que Christian montre une technique d'une certaine façon, bien évidemment, je vais m'appliquer à essayer de comprendre pourquoi il l'a fait comme ça, vers où il veut aller, vers où il veut nous emmener, etc. Quand je travaille pour moi ou quand j'enseigne, moi je restitue ce qui me correspond, qui peut être parfois des formes très proches, parfois, alors pour des gens qui ne connaissent pas, ça sera toujours des formes proches, mais pour moi ça sera des choses pas forcément de la façon dont Christian est en train de les montrer en ce moment. D'autant plus que Christian est dans une évolution. Christian, c'est 50 et quelques années d'évolution, donc on le voit au bout d'un chemin. Lorsqu'on forme des gens pour le premier dan, on ne peut pas tout de suite leur donner ces éléments-là s'ils n'ont pas... Voilà, ça c'est un grand débat, on pourrait y revenir, mais quand moi j'ai compris des choses, enfin moi aujourd'hui, ce n'est pas moi il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans. J'ai compris des choses. Est-ce que je peux leur donner le raccourci et leur dire, voilà, moi j'en suis là, c'est ça qu'il faut faire, ou est-ce qu'ils ont besoin de construire des fondations suffisamment solides pour pouvoir eux-mêmes arriver jusque-là ou aller plus loin. Voilà, donc ça c'est un équilibre qui est difficile entre montrer ce qui m'intéresse, là où j'en suis, etc., et montrer ce dont les élèves ont besoin à un moment donné de mon point de vue. Oui et non. Alors, pour moi, je sépare les stages que je fais dans un cadre fédéral, puisque je suis membre du collège technique. Lorsque j'interviens dans un cadre fédéral, j'ai le souci de travailler à partir d'un fond commun, hein, d'un dénominateur commun. Je peux, alors ça dépend du type de stage, éventuellement leur dire voilà, moi je vais vers ça, ou c'est ça qui m'intéresse, ou etc. Mais globalement, j'essaye vraiment de travailler sur ce qui est le dénominateur commun et la façon dont je vois la construction à l'intérieur de ce dénominateur commun, avec ma sensibilité, ma façon d'être. Dans des stages privés, je vais me permettre de plus aller vers ce qui m'intéresse moi, ce que je suis en train de rechercher. Mais c'est vraiment le statut du stage, alors pas seulement fédéral et privé. Il y a certains stages privés dans lesquels j'interviens de façon régulière parce qu'on m'a demandé de donner des éléments de construction, auquel cas je vais donner des éléments de construction. Il y a des stages privés, là le stage d'été que je fais à Poitiers, où c'est plutôt des gens qui me voient de façon habituelle et où là je vais faire ce qui moi m'intéresse à ce moment-là. Voilà. Ça dépend des stages, ça dépend de la rencontre, ça dépend de ma capacité à intégrer ce que je suis en train de voir. Je dirais que la première chose, c'est me dire, ok, ça on peut l'approcher comme ça. On peut avoir cette approche pour aborder telle ou telle technique ou aborder la relation au partenaire de telle et telle façon. Donc le premier élément d'interrogation, c'est effectivement la différence d'approche. La façon d'aborder des uns et des autres, des choses qui finalement sont la même chose. Donc ça c'est la première chose, donc ça peut m'ouvrir des perspectives de recherche, de travail, de remise en cause, ça peut me permettre de réinterpréter la façon dont moi-même je vais le faire, ça ne veut pas dire que je vais reprendre la forme, mais qu'à l'intérieur, si je comprends certains principes, je vais voir comment
je vais les intégrer à ce que moi je fais. Voilà. Donc ça, c'est en même temps technique, parce qu'au moment où je fais le stage, je cherche à reproduire ce qu'on me propose, en tout cas je m'y efforce, mais par la suite, je ne vais pas revenir en disant « Ah, j'ai vu un tel, c'est comme ça qu'on va faire Ikkyo. » Non, je vais faire ce que j'ai intégré. Et ce que j'ai vu ou ce que j'ai ressenti pourra modifier ce que j'ai intégré. Mais ça ne sera jamais que ce que j'ai intégré. Et fondamentalement, si on met les milliers d'heures d'une pratique comparée à une dizaine, une quinzaine d'heures avec un sensei que je découvre, la balance, elle ne se fait pas. C'est comme, je suis musicien classique, j'utilise souvent la comparaison, je suis musicien classique, je vais faire un stage de jazz, ça va peut-être changer totalement la façon dont je vais interpréter mes morceaux. Mais je suis musicien classique. Alors peut-être que je décide de changer, de me mettre au jazz, hein, mais je veux dire, si je fais une semaine de jazz à l'intérieur, ça va changer mon ouverture d'esprit, ça va changer mon rapport à ce qui est écrit, ça va peut-être me donner plus de liberté, mais ça ne fait pas de moi un musicien de jazz, même si ça peut profondément changer la façon que j'aurai d'aborder la musique classique après. Enfin voilà, c'est un peu de cet ordre-là. Non, non, moi je les laisse. Hein, globalement, je les laisse. De deux choses l'une. Soit ils vont voir quelqu'un que j'apprécie, auquel cas ça serait, je considère que c'est un enrichissement pour eux. Soit ils vont voir quelqu'un qui ne me convainc pas, pour X raisons. Là aussi, de deux choses l'une. Soit ils trouvent que c'est génial et c'est ce qu'ils veulent faire. Dans ce cas-là, ce n'est pas moi qui pourrais leur donner ce qu'ils cherchent. Soit ça ne leur va pas et ils préfèrent ce que je leur propose, auquel cas tout va bien. Mais voilà, je ne me considère pas propriétaire de mes élèves. Je pense, après, s'ils me demandent mon avis, je peux le donner. Mais c'est à eux de se faire une idée. Par exemple, moi ici, j'ai décidé de ne pas faire de stage mensuel parce que je voulais que mes élèves puissent aller voir d'autres gens. Et si je proposais des stages mensuels, d'une certaine façon, les élèves se sentiraient obligés de venir, étant donné qu'ils ne font quand même pas énormément de stages, ça serait sans doute au détriment de la découverte d'autres professeurs ou d'autres approches. Donc je pense que de toute façon, c'est une richesse. Après, on a des discussions avec les élèves qui font parfois des choses, et ils me disent « oui, mais machin le fait comme ça ». Je dis « ok, mais quand tu es ici, tu vas le faire comme ça ». Ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Simplement, si tu veux suivre le chemin que je te propose et aller là, ben moi je te propose de passer par là et par là. Et si tu pars par là, ben, tu ne vas pas retrouver ça. En tout cas, moi, je ne pourrais pas t'y amener. Voilà. Donc, être capable de hiérarchiser. Hein. Et pour moi, les stages, c'est aussi ça. Quand moi-même, je pratique des stages avec des professeurs qui ont des pratiques différentes, ce n'est pas que je vais me mettre à faire autre chose. Hein, moi, je continue inscrit dans une cohérence de travail. Et à l'intérieur de ça, il y a des choses qui sont interrogées, qui sont modifiées, qui sont… voilà. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas se construire en se dispersant complètement. Donc, il faut aller voir. Il le faut pour l'ouverture. Et en même temps, il faut garder un squelette qui permette de progresser. Quand je vais en stage, je me positionne vraiment en tant qu'élève. Et du coup, j'essaye de reproduire, alors pas seulement la forme, j'essaye de comprendre ce qu'il y a. Je pense que, voilà, et il arrive un moment où on a suffisamment de vécu pour que quand on reproduit une forme, on ne reproduise pas qu'une forme. Hein? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la forme, je vais chercher ce qui est en train de se passer dans le mouvement. Et la forme sera une façon d'entrer dans ce qui est en train de se passer. Mais ça, je pense que c'est une chance qu'on a eue avec Christian Tissier, c'est qu'il nous a donné une structure telle, alors on a avec plus ou moins de facilité, mais on peut entrer dans des formes de travail qui ne sont pas les nôtres parce qu'on a une pratique suffisamment structurée pour être capable de comprendre ce qui est modifié, comment ça change. Parfois, ça peut mettre un peu de temps, mais globalement, on a des outils pour pouvoir s'adapter. Donc du coup, en travaillant une autre forme, on essaye de travailler aussi une autre façon de sentir le mouvement.